Good morgen, allez, Yiden les Suisses aujourd'hui, le Nishmat Richard Ben Fortune Mazal, Claude Israël Ben Fortune Mazal et Rachel Bat Sarah. Si vous aussi, vous souhaitez vous aussi déjà une prochaine tune, Mishnah contacté cette communauté éternelle, nous étions à Sarah Trocha Shana, Perek Aleph, Mishnah Bet. Be'arba'a parakim olam nidon, be'pesach al advua, be'atzeret al perot ha'ilan, be'rosh Hashana kol ba'e ha'olam, ouvrim l'fanav kivne maron, she'ne'emar ha'yotzer echadima ma'mevin el kol ma'asehem. On continue à introduire le Maseret Rosh Hashanah. On a vu dans la Mishnah précédente les différentes bornes de l'année qui sont considérées comme des Rosh Hashanah. Maintenant, deuxième sujet, comme les têtes de l'année, selon les calendriers. Et deuxième sujet maintenant, c'est d'expliquer que à quatre occasions dans l'année, le Hachem juge les hommes pour leur attribuer certains bienfaits, comme ce qu'on va voir tout de suite. Be'arba prakim a olam nidon. À quatre époques, quatre périodes, quatre bornes, je ne sais pas comment dire, ouais. Quatre périodes. A olam nidon, le monde est jugé. Ba pesach à la tevoua. À pesach, Hachem nous juge sur la tevoua, les récoltes. Ba atzeret al perot aïlan. À atzeret, on a déjà dit, on a mis atzeret, c'est Shavuot. Raga atzeret. À Shavuot, donc Hachem juge les hommes sur les fruits de l'arbre. Combien est-ce qu'ils auront des fruits dans l'année? Berosh Hashanah, kol ba'e ha'olam ovrim lefanav kivne maron. À Rosh Hashanah, le Rosh Hashanah, premier Tishrei, alors, kol ba'e ha'olam, tous les hommes du monde, ovrim lefanav, passent devant lui, kivne maron, comme des. On va traduire comme le Bartholomé propose, il y a plusieurs explications dans la Mishnah dans la Gemara. Comme des moutons. Bnei Imraya. Ça vient du Maron, ça vient de Imraya. Sheneemar, comme nous dit le verset, a Yotzer Echad Libam, comme dit le verset, que Hachem, il a Yotzer, il a créé, Yachad Libam, il a créé et voit en même temps tous les cœurs de tout le monde, a Mevin El Kol Maaseem, et il comprend tout leur, il distingue, il voit toutes leurs actions, tous leurs faits. Soit en un clin d'œil, Hachem voit tous les hommes, il voit un après l'autre, mais en un clin d'œil chacun, il réussit à voir exactement chacun qui a le droit de passer une nouvelle année ou pas. Au Bechag, et à Sukkot, Hachem nous juge sur l'eau. Voilà, on a traduit la Mishnah, maintenant on va expliquer un petit peu mieux le principe d'abord de général de ces quatre périodes de l'année où Hachem nous juge. Principe très simple, selon, il y a des mitzvot spécifiques à chaque époque. À Pessah, on a la mitzvah du Homer, le Korban à Homer, où il faut le lendemain de Pessah, le 16 Nissan, il faut aller cueillir de l'orge et faire tout un rituel. Et en fait, à chaque fois qu'on va faire un rituel particulier au Beth Amikdash, c'est tout simplement pour exprimer notre connaissance et notre foi en Hachem, que c'est lui qui dirige notre bitachon en Hachem, que c'est lui qui donne ses bienfaits. Et donc justement, puisqu'Hachem nous a, de là on déduit le principe, puisqu'Hachem nous a ordonné un rituel spécial, d'une oblation, d'un corban spécial, eh bien, on déduit que, donc, qu'on est en ce moment jugé sur cette chose-là. Donc, à Pessah, on apporte la tevoua, on apporte le homer, l'orge, alors on est jugé toutes les récoltes. À Shavuot, c'est le moment d'apporter les shté alechem, les deux pains. Les deux pains, maintenant dans la Torah, le blé, il est qualifié de Hetz, entre parenthèses, dans les rapports, il y a un avis qui pense, dans la Gemara, que le fruit qu'a mangé Adam Rishon, c'était du blé. Donc la Torah l'appelait Ve Hetz Adat Tovara. C'est un Hetz, et donc, puisque la Torah m'a dit, tu prends un fruit du Hetz, et tu vas le faire, tu vas le balancer devant moi, faire tout le rituel de Shteh Alechem, c'est qu'on est jugé en ce moment sur ça. À Rosh Hashanah, bien évidemment, parce qu'il faut sonner le chauffard, c'est le principe du grand jugement, c'est pour ça que cette fois-ci à Rosh Hashanah, on est tous jugés en même temps. On va expliquer un petit peu mieux dans deux secondes. Et je finis d'abord avec Sukkot. Sukkot, on a la mitzvah du Nisuch Hamayim, d'aller verser de l'eau spécialement sur le Mizbeach, une oblation d'eau, chose qu'on fait nulle part ailleurs, tout le principe qu'on a appris avec Simchat Bet HaShoeva et tout ça. Donc ça veut dire qu'on est en ce moment jugé sur l'eau. Je reviens un petit peu en arrière maintenant sur Rosh Hashanah, pour mieux, un peu mieux expliquer le principe. Qu'est-ce que ça veut dire? Kol ba'e olam ovrim lefanav kivne maron. Tous les hommes passent devant lui comme des petits moutons. C'est quoi l'histoire de moutons? C'est très simple.
tous les ans, il faut prélever, comme on avait appris dans l'émission précédente, il faut prélever le Maaser Behema. Pour prélever le Maaser Behema, on va dans l'enclos, on met une petite porte, on fait passer les moutons un après l'autre. Et comme ça, selon ce principe, la Gemara elle explique le jugement de Rosh Hashanah, qu'en fait, il y a l'année passée, 5781, la nouvelle année, 5782, Hashanah lui dit, bon, passe. Et chaque fois qu'on passe devant lui, Beskira Achat, il nous fait une radio de la Neshama, et il voit d'un coup qui a le droit de continuer l'année ou qui n'a pas le droit de continuer l'année, et selon ça, il décide qui va continuer son année et recevoir tous les barreaux qu'il faut. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine d'Atzlacha, comme tout, c'est là.